Ça va ? Bonjour ! Vous avez promis qu'on allait faire venir TJ Savanier. Ben, il est là. Et aujourd'hui, on est content de te recevoir. Ben, en tout cas, merci à vous de m'accueillir ici. Et je suis très fier d'être là aujourd'hui. Pour un garçon comme moi, c'était difficile d'être un jour joueur professionnel. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier de l'être. Et j'espère qu'un des petits d'entre vous sera un jour en Ligue 1 et passera à la télé. Et je serai le plus fier. Et là, j'ai tous mes gamins de Saint-Georges qui sont devant là. Et c'est un exemple de ouais. Merci beaucoup. C'était Fodé Mansaré, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, j'adorais ce joueur. Et franchement, c'était un très bon joueur. Techniquement, il était au-dessus de tout le monde, il dribblait. C'est un très très bon joueur. Parce que moi, étant de, tu vois, je suis né ici. Et voilà, mon rêve, c'était que ma famille me voie sur les couleurs de Montpellier. Et aujourd'hui, ils sont là au stade à la Mosson. C'est moi, je venais pareil. Je venais quand j'étais petit voir les matchs. Et aujourd'hui, que ma famille soit dans le public, franchement, c'est un honneur. C'était un rêve pour moi. Et en tout cas, voilà, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, c'est souvent footballeur professionnel. Donc, quel conseil tu aurais à leur donner au niveau du sport et surtout au niveau de l'école? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le foot. Voilà, j'étais doué au foot et je me suis donné tous les moyens pour y arriver. Et les moyens, c'est-à-dire, voilà, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt, bien travailler, être sérieux à l'école, même si je dis ça, même si moi, j'étais pas trop sérieux, et surtout dans le foot. Écoutez ce qu'ils te disent tous les entraîneurs. S'il faut que... ben, moi, j'avais des collègues à moi, ils étaient plus forts que moi. Mais malheureusement, quand l'entraîneur leur disait de faire 3 tours, ils n'en faisaient que 2, ils s'arrêtaient. Moi, à la place d'en faire 2 ou 3, j'en faisais 5. Et c'est ce qui m'a permis de... Moi, bon, je ne vais pas dire ce qui m'a permis de réussir, mais c'est dans ma tête, en fait, je me disais, il faut que j'arrive plus que les autres. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Joyeux anniversaire.